Nous vivons dans une Martinique un peu, j'ai envie de dire, rétrécie, qui a tous les besoins. Et notre priorité, ce sera effectivement de relancer l'économie de la Martinique et ensuite relancer donc l'action sociale à la Martinique, action sociale vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis donc des familles en difficulté, vis-à-vis de nos enfants, de nos scolaires qui ont besoin effectivement d'un coup de main de l'équipe qui va arriver. Je voudrais dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui nous regardent qu'ils devraient effectivement être exigeants vis-à-vis de l'équipe qui arrive, de notre équipe, parce que nous ne venons pas avec des promesses que nous ne saurons pas tenir. Et pour ma part, je n'ai jamais l'habitude de promettre si je sais que je ne pourrai pas réaliser ce que je promets. Donc je voudrais dire aux Martiniquaises et aux Martiniquaises de nous faire confiance, de faire confiance à l'équipe Alliance Martinique, de façon à ce que la Martinique puisse décoller, qu'il y ait un rebond de cette Martinique que nous aimons tant.